Au centre de l'Italie, la Toscane évoque la beauté, la culture et l'histoire. La région ne se résume pas à sa capitale, Florence. C'est une autre Toscane que nous allons vous faire découvrir. Entre mer et montagne, elle offre des paysages somptueux. Elle est jalonnée de villes magnifiques et de villages au patrimoine exceptionnel. Ses habitants ont préservé avec passion les traditions héritées d'un passé fastueux et prospère. Bienvenue dans la Bella Italia. En plein cœur de la Toscane s'élève la ville fortifiée de San Gimignano. Elle est restée presque telle qu'elle était au XIIIe siècle et est devenue aujourd'hui une étape incontournable pour les amoureux de la région. On la reconnaît immédiatement grâce à ses 5 tours de guet appelées Maison Tour. La plus grande mesure 54 mètres de haut. C'est la Torre Grossa. Depuis son sommet, on découvre la ville moyenâgeuse construite sur une colline qui domine le Val d'Elsa, une vallée incontournable pour les pèlerins qui se rendaient à Rome. Les tours jumelles des Ardinielli dominent le versant nord. Au XIIIe siècle, la ville comptait 72 maisons-tours. À l'époque, elle reflétait la puissance et la richesse de l'aristocratie locale. San Gimignano rivalise alors avec ses puissantes ennemies, Florence et Sienne. Mais tout s'arrête brutalement en 1348, lorsque la peste met la ville à genoux. Aujourd'hui, ces tours témoignent de ce glorieux passé. La Torre Grossa domine le palais del Popolo. C'est là que siégeaient les riches familles qui se disputaient la ville, les Ardinielli et les Salvucci. Leurs armoiries ornent toujours les murs de la cour intérieure du palais. Ces familles rivales se menaient une véritable guerre civile depuis leurs immenses tours de guet. Au centre, voici la place de la cathédrale et sa jumelle, la place de la Citerne. Elle est bordée de palais imposants et de demeures aux façades de pierre richement décorées. C'est là que bat le cœur de cette cité pittoresque, avec ses ruelles étroites et ses places tranquilles. Aujourd'hui, cette petite ville de 7500 habitants vit au rythme des milliers de touristes qui la visitent chaque année. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. On quitte San Gimignano avec l'impression merveilleuse d'avoir remonté le temps. Incarnation de la Toscane, la vallée du Chianti est certainement connue dans le monde entier. Elle offre des paysages envoûtants, chargés d'émotions. De 12 collines verdoyantes entourées de cyprès. Des champs d'oliviers, des petits hameaux paisibles. Mais c'est le vin qui porte son nom, qui a fait sa gloire et sa richesse. Le magnifique village médiéval de Castellina est le siège de la Ligue du Chianti.
Il est connu pour la Via delle Volte, une rue presque entièrement couverte par d'impressionnantes voûtes de pierre. Elle abrite aujourd'hui des restaurants et des galeries d'art qui exposent les œuvres de nombreux artistes locaux. À quelques kilomètres au sud de Castellina, nous avons rendez-vous dans une exploitation viticole, le domaine San Donatino. Il appartenait à Léo Ferré, poète et chanteur français d'origine italienne, décédé en 1975. Aujourd'hui, sa veuve Marie-Christine et son fils Mathieu dirigent le domaine. Viticulteur depuis 1971, les Ferret travaillent le vin avec passion. Léo avait envie de quitter la France et on était venu à Florence et on a trouvé que la région était belle et on s'est installé par là. Là-bas, vous voyez la colline ? Il y a une maison sur la colline, il y a une vigne, des oliviers, une autre vigne et des oliviers là-bas avant de commencer le bois. C'était des vignes éparpillées, maintenant on les a un peu arrangées, mais sinon il y avait trois cèpes ici, deux là, cinq ici. En 40 ans, l'exploitation s'est complètement transformée. Aujourd'hui, ces 15 hectares de vignobles produisent 80 000 bouteilles par an d'un excellent Chianti Classico. Mathieu Ferré surveille de près les vendanges. Les grappes font l'objet d'une sélection rigoureuse. Comme vous voyez, la vendange est manuelle. Et donc, manuelle parce que comme ça, on arrive à bien à prendre ce qu'il faut et à trier, à choisir les bonnes grappes. Quoi. Quand il y en a une qui n'est pas bien mûre ou qui est pourrie, ou qui a un petit peu de pourri qui commence à arriver, on met pas. Le travail se fait dans la vigne, c'est eux qui font la matière première. Quoi. Moi, je suis dans la cave, mon travail, c'est dans la cave. C'est une sorte d'accouchement. Quoi. Je fais pas, enfin, y a du travail à faire, quoi, mais je l'accompagne quoi, dans la cave. Mais le travail, le vin, on le fait dans la vigne, on le fait pas dans la cave. Mais cette année, on a eu de... C'est bien. C'est des chances. Il va vider la remorque. Le vin que Mathieu Ferré cultive à San Donatino est l'expression même du Chianti, issu d'une terre noble et généreuse. Quand je fais le vin, c'est l'expression de la terre, voilà. D'où il se trouve, du climat, du microclimat qu'il y a ici. Et du terrain, et de l'amour et de la passion qu'on y met. Voilà. En descendant vers le sud, dans la direction de Sienne, on découvre le charmant petit village médiéval de Montereggioni. C'est un village forteresse dont les impressionnantes murailles comptent 14 tours. En fait, au Moyen-Âge, Montereggioni était une immense caserne. Des centaines de soldats vivaient ici en autarcie totale. Pour assurer leur subsistance, ils cultivaient les jardins qui bordent l'église romane. Montereggioni était une place hautement stratégique, un avant-poste qui assurait la défense de Sienne. La forteresse fut souvent assiégée, mais jamais prise. En 1554, le capitaine de la garnison trahit Sienne en donnant les clés de Montereggioni aux Florentins. Les habitants du village racontent aujourd'hui encore
que l'âme bannie du traître hante un tunnel secret dont l'entrée serait le puits qui fait face à l'église. C'est pour son atmosphère mystérieuse que chaque année, des milliers de touristes ont fait de ce village une étape privilégiée. C'est un monde enchanteur, où il fait bon flâner le long des murailles, se promener dans les rues ensoleillées et passer quelques heures hors du temps. Nous voilà arrivés à Sienne, une ville unique au monde. Elle est restée suspendue dans l'histoire, entre le Moyen Âge et la Renaissance. Sienne est l'incarnation de la cité médiévale. Elle a été conçue comme une œuvre d'art parfaitement intégrée dans le paysage toscan. Elle porte fièrement les couleurs de la Toscane, avec ses façades ocre et rose, ses volets verts, ses bâtiments de briques et ses toits de tuiles. Sienne est un immense musée à ciel ouvert, à l'échelle d'une ville de 55 000 habitants. À travers les siècles, ses habitants ont su parfaitement préserver leur ville des outrages du temps. Ici, les traditions sont toujours bien vivantes. En remontant la Via della Città, on ne peut manquer la Pizzeria di Micolli, la plus ancienne épicerie de la ville. Elle a été ouverte en 1889. L'intérieur est une véritable caverne d'Ali Baba. Des saucissons, d'énormes jambons et des fromages pendent au plafond. Sur les étagères, les meilleurs Chianti de la région. Salute. Reconnaissable à sa moustache généreuse, le propriétaire, Antonio Di Micolli, est un amoureux de la bonne chère. Chianti Classico, Riserva 2008. Lorsqu'il ne cuisine pas une des nombreuses spécialités de son épicerie, il trinque avec son équipe et déguste un verre de Chianti. Antonio est un expert de la gastronomie toscane. Il nous livre ses secrets de fabrication avec passion. Le porc rôti, on va en couper un morceau. Vous voyez, la partie croquante, c'est très bon. C'est bien, Massimiliano. Bravo, bravo. Regardez comment il est. Croquant, pas de gras. Lors de la cuisson, tout le jus est resté dans la chair. C'est croquant. On fait aussi le trilombo. C'est spécial. C'est trois pièces de viande, trois filets, tous ensemble. On les serre autour d'une pièce de lard de sanglier. Le sanglier, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un porc. Le porc, comme ceux qui viennent de Sienne. Et voilà le sanglier. Donc, il y a deux sortes d'animaux. Là, ce qu'il y a au milieu, et tout autour. Donc tout d'abord, on garde le lard durant 3 mois dans du sel avec des herbes. Les herbes, c'est du romarin, de la sauge, et tout vient de mon jardin. Les herbes, on les coupe, avec de l'ail qui est juste au-dessus. Et on le garde longtemps, environ 3 mois.
On le roule et on le serre avec une ficelle qu'on appelle spargo en italien. Et ensuite, on le garde dans du sel pour environ 10 jours. On le sort du sel, on le lave, on le laisse sécher et quand c'est prêt, les gens vont apprécier de manger la viande, mais aussi le lard. On a l'habitude de dire, le lard fait partie de la tranche, il ne faut pas l'enlever. C'est très bon. L'autre spécialité de l'épicerie, c'est le pecorino, le fromage de la Toscane. Le fromage est toujours très bon, ferme, comme une mozzarella de buffle. Mais en fait, c'est fait avec du lait de brebis. La différence entre un fromage frais et un fromage dur, mon collègue va vous en couper. Avec le fromage frais, la saveur, c'est l'odeur du lait frais. Mais avec le dur, c'est complètement différent. Il est plus fort, mais pas épicé, goûteux, avec une saveur longue en bouche. On l'appelle pecorino con le foglie di noci, c'est-à-dire les feuilles de noyer. Mais le trésor d'Antonio et de la Toscane, ce sont les truffes. On en prend une, déjà lavée. On lave les truffes avec une brosse à dents. Une par une, très doucement. Et voilà comment on fait. On ajuste l'épaisseur que l'on veut. Et voilà. Voilà la truffe. Lorsque la viande est déjà coupée, la truffe va la parfumer naturellement sans aucun colorant. Nous n'utilisons pas de colorant. Tout est naturel. On les trouve dans le sol. Il faut l'aide d'un chien truffier. Ils coûtent très cher. C'est pourquoi les truffes sont très chères. On ne peut pas en trouver comme ça tout seul. Ce serait très difficile. Si vous n'êtes pas un expert, vous n'en trouverez pas. Tartufo. On ne saurait quitter Antonio sans goûter son assiette de charcuterie. Un vrai régal. D'étroites ruelles descendent doucement dans un labyrinthe d'arcades, de briques et de passages suspendus, le long des loggias et des palais. La ville a été classée au patrimoine de l'UNESCO en 1995. Le visiteur va de découverte en découverte. En bas de cet escalier, un lavoir sous une arcade gothique. Ici, une superbe fontaine de bronze représentant un chérubin. Sur le linteau de cette église, des fresques presque intactes. Des madones peintes au croisement des rues. Chaque détail est une œuvre d'art. Comme cette plaque de bronze qui représente la riche propriétaire de cette demeure bourgeoise. Sienne était immensément riche. C'était la ville des banquiers. Le plus célèbre d'entre eux, Sallusto Bandini, vécut au XVIIe siècle. Jésuite et économiste, il est le père du libéralisme moderne. Sa statue trône sur la Piazza Salimbeni, du nom d'une riche famille de financiers. Leur palais gothique, construit au XIIe siècle, est aujourd'hui le siège de l'une des plus vieilles banques du monde, le Monte dei Paci, le Mont de Piété, fondé au XIVe siècle. Les années 1400 sont appelées le Quattrocento,
C'est le siècle des années fastes où les banquiers vont transformer Sienne en construisant des palais et en érigeant des monuments. Un peu plus loin se trouve le palais Chigi Saracini, l'académie de musique de renommée internationale. Dans le vestibule, une sculpture accueille les visiteurs. Il s'agit du pape Jules III qui étudia dans la cité. La loggia et la cour intérieure sont un exemple remarquable de l'architecture locale qui allie le gothique et la Renaissance. Le palais a été construit au XIIe siècle. Ses murs de briques lui donnent une allure austère, presque moyenâgeuse. On voit encore le blason des premiers propriétaires, la famille Marescotti, un aigle aux ailes déployées. De l'autre côté de la cour, sous les colonnes de la loggia, on peut admirer de magnifiques fresques datant de la Renaissance. Le palais est vendu en 1506 et les nouveaux occupants modernisent le bâtiment et font réaliser ses peintures murales par Giorgio Di Giovanni, un peintre renommé de la Renaissance, disciple de Raphaël. Il illustre des scènes de la campagne toscane et aussi les exploits des héros de l'Antiquité. À Sienne, les riches marchands rivalisent alors de puissance avec les banquiers. La même rue abrite la Loggia della Mercanzia, le tribunal de commerce, un monument qui témoigne de leur prestige. Là encore, les statues représentent les saints protecteurs de la cité. La Loggia, construite au début du XVe siècle, est l'exemple parfait de l'art du Quattrocento, qui marie harmonieusement les statues gothiques des piliers et les fresques de style Renaissance des voûtes. La Toscane, c'est aussi la Méditerranée. À 8 km de la côte, voici l'île d'Elbe. Avec son relief tourmenté, ses châteaux étrusques perchés sur des falaises imprenables, ses côtes découpées le long de criques sauvages, Elbe est une île magnifique, encore préservée du tourisme de masse. Elle est connue pour avoir hébergé l'empereur Napoléon en exil. Il n'y est resté que quelques mois entre 1814 et 1815. Il vivait dans cette magnifique demeure, la Villa San Martino. Mais l'empereur des Français n'avait pas le cœur à admirer les beautés de l'endroit. Il n'avait qu'une idée en tête, rentrer à Paris et reconquérir son empire. Elbe est une terre d'histoire depuis l'Antiquité. Les Grecs l'avaient surnommée Aetalia, l'étincelle. Les premiers habitants, les Étrusques, exploitaient déjà ces nombreux gisements de fer. Au XVIe siècle, Elbe passa sous la domination des Médicis, qui développèrent l'extraction du minerai. Depuis le port de Marina nell'Elba, on exportait le fer vers Florence et Sienne. Encore aujourd'hui, l'opulence et la beauté des villages de la côte est témoignent de cette période faste. Situé au sommet d'une colline, à 180 mètres d'altitude, Rio nell'Elba est le plus ancien village de l'île. Ces riches maisons ocre et rose rappellent que nous sommes bien en Toscane.
Rio Nalelba était le centre de l'industrie minière. Mais cette époque est désormais révolue. C'est aujourd'hui un bourg plein de charme et une étape incontournable pour les touristes. Le vieux centre est parfaitement préservé, avec ses impasses décorées de petites fontaines en stuc, ses ruelles pavées qui serpentent vers la place principale et l'église baroque qui domine la vallée. Elle est restée sauvage. Elle est couverte de forêts de hêtres et de pins où se nichent des maisons colorées. Sur la côte nord, voici San Andrea. L'endroit est réputé pour sa magnifique plage de sable blanc et ses eaux cristallines. Sa baie, idéalement protégée, est très apprécié des visiteurs qui profitent de son charme désuet. Sur la côte ouest, le paysage change radicalement. Des falaises escarpées qui tombent à pic dans la Méditerranée, des petites criques perdues à l'eau translucide et des forêts de maquis. On se croirait en Corse. D'ailleurs, l'île de Beauté n'est qu'à 50 km de là. Le long de la côte, Chiesi est une bourgade authentique bordée d'une petite plage de galets noirs. Les habitants se retrouvent ici pour profiter des joies de la mer. Encore plus à l'ouest, la grande plage de Cavoli est la préférée des vacanciers. L'été, cette baie magnifique est toujours bondée. Mais pour découvrir les plus belles plages, il faut abandonner sa voiture et emprunter les falaises de maquis qui descendent doucement vers la mer. En cherchant bien, vous trouverez cette petite crique isolée et la superbe plage de Fetovaia. Cachée au fond d'une baie profonde, c'est l'une des plus réputées d'Italie. À Elbe, l'arrière-saison est la plus belle. Et en octobre, il y a encore de nombreux touristes pour profiter de la mer. L'île est montagneuse. Ses massifs de granit culminent à 1019 mètres d'altitude avec le mont Capanne. Sur ses pentes, de magnifiques villages. Les façades aux couleurs pastel ponctuent le vert de la forêt. Sur le versant nord, perché sur un éperon rocheux, voici Poggio, un véritable petit bijou de l'architecture toscane. On l'appelle le village dans les nuages. Poggio fut longtemps un petit bourg abandonné par ses habitants. Mais au cours des dernières années, ils sont revenus pour lui donner une seconde vie. Ses allées pavées de pierres de granit et ses maisons aux toits de tuiles ont été complètement restaurées. C'est sans aucun doute le plus beau village d'Elbe. Lorsque la brume descend, son atmosphère devient mystérieuse. En quelques instants, Poggio disparaît dans un épais nuage. Mais le soleil réapparaît bien vite et lui redonne ses couleurs arc-en-ciel.
Nous quittons Elbe et le mont Capanne pour d'autres sommets de la culture toscane. De retour sur le continent, voici l'incontournable Pise. Le monde entier connaît sa fameuse tour penchée, l'un des symboles de l'Italie. Mais la grande place, appelée aussi Cour des Miracles, abrite également un baptistère d'une beauté remarquable. Ce bâtiment de forme circulaire et sa coupole pyramidale, ornée de sculptures, ont été achevés au XIVe siècle durant le fameux Quattrocento. C'est un des chefs-d'œuvre de Nicola Pisano et son fils Giovanni, qui furent aussi les architectes de la cathédrale de Sienne. Le tympan du baptistère est richement décoré de bas-reliefs sculptés par Nicola Pisano lui-même. Il représente des scènes de l'Ancien Testament. Juste en face se dresse la majestueuse cathédrale qui marie harmonieusement les styles romans et byzantins typiques de la Renaissance. Au-dessus du portail central, gardé par deux superbes lions de pierre, une magnifique mosaïque de la Vierge de l'Assomption. Mais le véritable trésor de l'édifice, c'est son portail monumental de bronze et ses bas-reliefs remarquables où la technique de la perspective fut utilisée pour l'une des premières fois. Les personnages inspirés de la vie du Christ semblent se détacher et prendre vie. Mais si le monde entier vient à Pise, c'est pour visiter son incroyable tour penchée. Elle mesure 56 mètres de haut. Son inclinaison caractéristique de 4 degrés vers le sud à son sommet atteint 4 mètres par rapport à sa verticale, donnant l'impression qu'elle pourrait tomber à chaque instant. Pourtant, elle se dresse fièrement depuis plus de 800 ans et attire chaque année plus d'un million de visiteurs qui se livrent tous à un étrange rituel. Se faire prendre en photo en donnant l'illusion de soutenir la tour pour l'empêcher de tomber. Plus au nord, la Toscane offre encore un autre visage, avec les Alpes Apuanes. C'est un panorama exceptionnel. La montagne semble sculptée par un géant. Son cœur est découpé en tranches de pierre aux dimensions impressionnantes. Perdu dans cette immensité, les engins de chantier semblent être des jouets d'enfants. Bienvenue dans le massif de Carrare, mondialement connu pour ses carrières de marbre. Dans les villages de la vallée, le marbre est taillé en blocs de plusieurs tonnes pour être exporté dans le monde entier. Les ouvriers manipulent avec précaution ces énormes pierres qui valent une fortune. C'est sa blancheur éclatante et sa pureté parfaite qui ont fait la réputation du marbre de Carrare depuis l'Antiquité.
La sculptrice Sarah Kalimeraki n'aurait jamais pu travailler ailleurs. Il y a plus de 20 ans, elle a quitté sa Grèce natale pour venir s'installer au plus près de la matière qu'elle aime travailler par-dessus tout, le marbre. Aujourd'hui, elle s'attaque à l'un des chefs-d'œuvre les plus connus au monde. C'est la Vénus de Milo. L'original a été enterré à cause des guerres et de plein d'autres choses. Un fermier grec l'a découverte. Il l'a déterrée un beau jour. Un officier français qui passait par là l'a achetée et l'a ramenée à Paris. Et maintenant, elle est au Louvre. Pour réaliser cette copie d'après un modèle de plâtre, elle utilise la même méthode que les sculpteurs de la Renaissance, comme Brunicelli ou Michel-Ange. Je copie fidèlement le modèle. Je travaille avec cette grosse croix, avec trois points de repère, qui sont les mêmes repères que sur le modèle. Et je transfère la croix sur le modèle pour prendre les mesures. En ce moment, je taille sur l'ensemble de la pièce. La première chose, c'est de dégrossir la pièce de 5 cm depuis la surface. Donc en ce moment, je crée la forme brute. Mais avec un système de mesure contrôlé. Cet outil a été utilisé à travers les âges pour copier exactement quelque chose à l'échelle 1. Une fois qu'on a le coup de main, on peut vraiment aller assez vite. Then you can really start going very fast. Sarah Kalimeraki est devenue célèbre en réalisant ces magnifiques crânes de félins préhistoriques sculptés dans le marbre d'après des modèles originaux. Réussir de telles pièces nécessite une grande technique et beaucoup de délicatesse. Ses œuvres sont exposées dans le monde entier et chaque pièce vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avec la Vénus de Milo, Sarah Kalimeraki s'attaque à son plus grand défi, tutoyer les grands maîtres de la Renaissance italienne. Être face à une telle œuvre, c'est comme remonter le temps. Vous vous retrouvez à cette époque, c'est comme être face au sculpteur, en essayant d'imaginer ce que cela a dû être de créer ce chef-d'œuvre, il y a si longtemps. Il reste encore des mois de travail avant que ce bloc de pierre ne se transforme en Aphrodite. Le marbre de la statue est extrait de la carrière de Carciola, sur les hauteurs de Carrare. C'est une véritable cathédrale de pierre, aux proportions monumentales. Cette montagne appartient à la famille de Franco Petacci, qui l'exploite depuis plus d'un siècle. La carrière est exploitée par ma famille depuis 3 générations. Je suis la 3e génération. On travaille le marbre depuis toujours. Seulement le marbre. C'est toute ma vie. C'est ma façon de vivre. Aujourd'hui, avec les machines, il suffit de quelques ouvriers pour découper des centaines de tonnes de marbre par jour.
Mais jusque dans les années 1970, il fallait des milliers d'hommes pour couper et descendre ces énormes blocs dans la vallée. C'est un véritable travail de forçat, avec tous ses dangers inhérents. C'était du travail manuel. Avant, on découpait un bloc de marbre à l'aide de pièces de bois. On utilisait une chignole pour faire des trous, pour fracturer le marbre. Un procédé naturel. Pour découper, on plaçait les pièces de bois sec dans les trous et on arrosait d'eau. Le bois gonfle et fait éclater le marbre. C'est pourquoi c'était un travail très difficile. Il y avait de nombreux morts. Parce que durant le transport, le marbre était descendu à l'aide de rondins de bois et de grosses cordes de chanvre. S'il y avait un accident, on risquait ou de mourir ou de devenir estropié. 15 personnes à la fois. Lorsqu'on admire les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, on ne pense jamais au sacrifice des hommes de la montagne de Carrare. Pour ne pas les oublier, à chaque fois qu'il redescend dans la vallée, Franco Petacci se recueille près de ce monument. C'est toujours avec émotion qu'il rend hommage à son oncle, mort lors d'un éboulement. Retour à Sienne, où s'exprime toute la beauté du marbre de Carrare. Le chef-d'œuvre de la ville est sans conteste la cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Comme partout en Italie, on l'appelle le Duomo. Elle a été construite au milieu du XIIIe siècle. Le campanile, la grande tour rayée de bandes de marbre noires et blanches, mesure 77 mètres de haut. Elle domine la cité et lui donne sa silhouette caractéristique. Il faudra 15 ans aux centaines d'ouvriers du chantier pour construire ce colosse, un chef-d'œuvre de l'art gothique. Le parvis est richement décoré d'un pavement en marqueterie de marbre. Avec le Duomo, on retrouve la patte des deux génies de Pise, Nicola et Giovanni Pisano. Le père dessina la structure de la cathédrale, mais son fils Giovanni en fit une œuvre d'art unique, en concevant la façade comme une galerie de portraits. Sur les tympans des trois portes se trouvent les bustes des saints protecteurs de la cité. Ici, un moine dominicain qui tient entre ses mains une incroyable miniature de la ville. Sur la partie supérieure de la façade, des dizaines de sculptures au réalisme saisissant. Elles sont l'œuvre de Giovanni Di Secco, le directeur des travaux. Dans son panthéon, Di Secco a représenté des apôtres et des prophètes, mais aussi des philosophes grecs et des créatures sorties tout droit de l'enfer de Dante. Les immenses mosaïques en haut de la façade ont été réalisées des siècles plus tard, en 1878, à Venise. Sienne se voulait l'héritière de Rome et érigea la statue d'une louve nourrissant les enfants de Rémus. Le plus âgé de ses fils s'appelait Sienus. Le passé se confond avec le présent. Depuis le Moyen Âge, la cité est divisée en 17 quartiers,
les contrades. Ils sont rivaux et se livrent encore aujourd'hui à une compétition qui a fait la renommée de la ville, le palio. C'est la plus ancienne course hippique du monde. La première s'est tenue en 1260. En vous promenant dans les ruelles, vous verrez sans doute les drapeaux des différentes équipes orner les fenêtres et des lampadaires aux formes d'animaux, les emblèmes des contrades. Le dauphin est celui du quartier du marché couvert. Chaque année, les équipes s'affrontent lors de deux courses, le 2 juillet et le 16 août, sur la plus célèbre place de Sienne, la magnifique Piazza del Campo. C'est une épreuve spectaculaire qui se déroule dans une ambiance survoltée. La piste, qui court le long des bâtiments, est dégagée des terrasses de café et les commerces baissent leurs rideaux. Des milliers de spectateurs se rassemblent alors au centre de la place. Les chevaux sont lancés au galop sur les pavés glissants et les cavaliers ont trois tours pour finir la course en selle. En effet, la compétition est violente, voire dangereuse. Les chutes sont nombreuses, parfois mortelles. La Piazza del Campo est certainement l'une des plus belles au monde. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien théâtre romain. On la découvre aujourd'hui telle qu'elle fut construite au Quattrocento. À l'origine, c'était un immense marché où s'échangeaient épices, cuir et soieries. Mais les riches familles siennoises décidèrent d'en faire une place pour célébrer leur prestige. Marchands et banquiers font alors construire d'imposants palais gothiques et des demeures luxueuses. C'est l'âge d'or de Sienne. Sur la place trône le vrai siège du pouvoir, le Palazzo Pubblico, ou hôtel de ville, et comme un symbole de sa puissance, la Torre del Mangia. Plus haute que le campanile, elle mesure 102 mètres. Cet immense pilier de briques est une prouesse technique pour l'époque. Le Palazzo Pubblico accueillait le conseil de la ville. Aujourd'hui, il abrite le musée Civico, qui expose des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Adossée à gauche de la façade, une chapelle en forme de loggia. Elle a été construite pour commémorer la terrible épidémie de peste de 1348, qui anéantit la moitié de la population. En haut de l'édifice, un cercle de cuivre peint représente le monogramme du Christ, JHS, ses initiales en grec ancien. Les tours crénelées et les fenêtres en arche sont caractéristiques de l'époque gothique. Au centre, le blason des Médicis. La puissante famille florentine marque ici la victoire finale de Florence sur Sienne la Rebelle en 1559. Apparent depuis la place du marché, le Palazzo Pubblico dévoile un immense balcon. C'est l'endroit idéal pour profiter d'un point de vue magnifique sur la campagne environnante. La fontaine de Gaïa est l'autre trésor de la Piazza del Campo.
C'est une véritable œuvre d'art sculptée par Jacopo della Quercia et achevée en 1419. Il a réalisé des sculptures de marbre aux formes fluides et vivantes, comme le relief de la Vierge et l'Enfant. La pièce qu'on jette dans l'eau cristalline de la fontaine n'accompagnera qu'un vœu, celui de revenir très vite goûter à la Bella Italia.